Bonjour et bienvenue dans l'enfer. L'enfer sombre, je sais pas. Oh là 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 là. Bienvenue. Je sais pas où je suis. Alors, on va prendre la lampe parce que là, ça... là c'est un peu une catastrophe par contre. Ah, voilà, c'est bon. Tiens, on a ça aussi à prendre. Du tissu. Hop. Voilà. En tout cas, bienvenue. Ah, donc, dans cet épisode, j'avais envie de partir à la chasse aux lapins. Alors, je vais être honnête, la chasse aux lapins avec des pierres, non, ça, non. Non, non, juste non. Mais par contre, on a un revolver. On a même un fusil, honnêtement. Donc je me suis dit, la dernière fois, j'avais parlé de ça. Du peut-être que ça pourrait être fun, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle de partir à la chasse au lapin avec le revolver. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Honnêtement, non. Non, parce que les balles, ça court pas les rues. Hein, on n'est pas en Amérique. Mais est-ce que c'est fun par contre? Eh ça, oui, ça, je pense que ça se place plutôt bien niveau fun. Niveau fun, je crois que ça se porte bien. Donc j'ai honnêtement envie de faire ça pour cet épisode. Et après, ce qu'on fera plus tard, je crois que c'est... Là, il faudra prendre aussi tout ça. Là. Je crois que ça sera plus tard. On va devoir partir hein, parce qu'on n'a pas grand chose. On n'a plus grand chose à faire ici. Honnêtement, on a vraiment plus grand chose à faire. J'essaye encore de réfléchir à quel endroit on pourrait visiter ou quoi que ce soit. Le truc, encore une fois, on pourrait aller à la... non, oui, c'est ça. La vallée de la rivière calme. Mais honnêtement, sans bons vêtements et tout ça, ça va être la merde. Ça va être embêtant. Après, on peut courir. On peut toujours très très courir, en fait, tout le temps. Et rusher et rusher. Mais c'est pas vraiment bien. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on fasse des pauses pour se réchauffer et tout. Donc, je crois que Milton est plus ou moins fini, honnêtement. Plus, bon, on est pas mal. Mais je crois que Milton, pour le moment, c'est plus ou moins fini. Donc avant de partir, j'ai bien envie de faire cuire de la viande. Donc il faut qu'on trouve un autre meuble. Normalement on a un meuble là. Livre. Chaise. Aïe 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 aïe. On n'a pas un meuble où on peut mettre des choses dedans? Non. On va mettre ça par terre. Vous voyez un peu le sol? Vous me direz si vous voyez un peu le sol. Mais je pense que ça serait pas mal, en fait, voilà, de prendre un peu de lapin. Et après, tout simplement partir, honnêtement. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a plus grand chose à faire ici. Je pense qu'on est bon. Donc, on va voir en tout cas comment ça se passe. On va voir. Il faut que je prenne un peu de la viande. Parce que je voudrais un peu avancer en fait dans la cuisine. Et la chose aussi intéressante, c'est qu'on a besoin de... besoin de peau de lapin pour faire les moufles et la chapka. Eh, on voit bien là. Une belle vue. Pour faire les moufles et la chapka. Va faire froid. Donc ça serait pas mal. Faut que je regarde si j'ai encore des pierres. Bon après si on a des pierres, je balance des pierres hein, pour éviter quand même d'utiliser le revolver, mais voilà, on va quand même le faire parce que c'est honnêtement parce que j'ai envie de m'amuser, voilà, tout simplement. J'ai envie de m'amuser. Je sais qu'on est en survie et tout, mais autant s'amuser un peu aussi. Hein. C'est pour le moral, voilà. En gros, c'est pour le moral.
C'est bien de manger, de boire et d'avoir un corps sain et tout ça, mais il faut aussi un esprit sain. Donc, jouer à Revolver Ocelot sur des lapins, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est super relaxant, c'est super fun. Et ça va me mettre de bonne humeur, voilà. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on a... On n'a pas de cailloux, en fait. Ouais, on n'en a pas du tout. Il en faudrait en quelques-uns, déjà, comme ça on fait un feu. Oh, on a un cerf. Intéressant. Je sais pas si on peut le tuer avec le revolver. Enfin, oui, j'imagine, mais genre facilement. Ok, ça fait un. Au final, peut-être qu'on va pas trop faire de revolver. C'est vrai que je préférais quand même les garder de côté. Mais... Alors attends, attends. Est-ce qu'on pourrait faire un feu genre bien placé? À la limite, j'ai bien envie de tester le cerf, voir si on peut pas lui mettre une balle dans la tête, voir si ça marche. Par contre, elle tremble maintenant. On peut voir un peu. Ça va, ça tremble, mais ça tremble pas des masses. Vas-y, reviens. Eh oh, Bambi. Ah, c'est bien. Bambi, c'est un cerf. J'ai un doute. Non, je déconne. J'arrête de poser des questions à la cour. Oh la vache! Revolver Ocelot. Ok, ok, attends. Attends, attends, attends. On avait dit, on dépose ça. C'est énorme. Oh la vache. Qu'est-ce que ça m'amuse. Ah! Chier. En plus, j'en profite pour boire un coup. Alors, un truc, c'est que maintenant, je sais. Maintenant, on est au courant que... honnêtement, on peut complètement chasser au revolver, hein, une balle dans la tête, et ça a l'air d'être assez puissant pour tuer, hein, un cerf. Hein. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le problème, c'est que je veux pas faire un feu qui dure trop longtemps, mais je veux faire un feu qui soit chaud, parce qu'il fait froid, en fait. J'ai même peur que... Ouais, non, c'est bon, ça va, on a le temps. Alors, attends. Parce qu'au final, il est bien placé, le feu. Me dis pas qu'on a le vent qui vient de se lever. Ok, peut-être j'ai eu peur. 38 minutes, parfait. Voilà. Ah bah du coup, on aura de la nourriture. Du coup, on aura de la nourriture. Alors, attendez que je réfléchisse en même temps. On va mettre ça à côté. On va en mettre un seul. On a quoi, 6 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le lapin? Ça, on le fera à la maison. C'est trop long. C'est trop long, en fait. Bon, le feu, par contre, je crois qu'il est pas vraiment... Enfin, ouais, peut-être, à la limite. Il est un tout petit peu protégé du vent, mais pas des masses. J'ai envie de dire. Ah, très très bien. Ah, mais je suis content. Ça se passe super bien, en fait, dès le début. Honnêtement, j'ai envie de...
J'ai envie d'envoyer une petite pique aux gens. Si vous jouez avec des armes à feu et que vous avez du mal à survivre... Vous êtes un peu mauvais. Pardon. Non, je déconne. Il y a un peu de vérité quand même. C'est très simple en fait à survivre. Très bien. Ça c'est cuit. 10 minutes. Très bien. J'utilise la scie pour aller un peu plus vite parce que là on est un peu à l'extérieur et tout ça, on n'est pas à l'abri du vent, on n'est pas tout ça, donc je préfère être sûr qu'on n'ait pas de surprise en fait. Par contre je crois qu'il n'y a plus de lapin. Il n'y a plus de lapin, il n'y a plus de cerf, rien. Donc je pense qu'il faut avancer. Ça c'est un peu embêtant par contre. J'aurais bien voulu... On peut faire des allers-retours ou pas? Pas vraiment. Alors fais voir un peu. Ok, très bien. Ouais, parce que là on est un peu bloqué en fait. Et le problème c'est qu'on peut avancer mais il faut prendre la montée là. Je crois bien. Y a plus de lapin. Hein. On est d'accord, hein. Y'a plus rien. Non, y'a strictement plus rien ici. Donc il faut prendre ça à chaque fois, donc ça va nous faire perdre du temps. À la limite, je peux mettre deux steaks qui mettent genre 40 minutes à cuire et on peut faire un aller-retour, mais... On a intérêt de vite les tuer, les lapins, de pas se louper, quoi. On les tue, on les prend, on revient au feu. Faudrait qu'on prenne la peau aussi. Faudrait qu'on prenne la peau. J'aime pas quand ça fait plein de traces de pas là comme ça sur la neige. C'est un peu compliqué après à voir les choses. Une heure, 40 minutes. Ouais, c'est important. Je suis désolé, c'est un peu chiant. On perd du temps, mais c'est important de récupérer la peau. C'est quand même important. Oh non, il y a du brouillard maintenant. Super. C'est important d'avoir la peau. Après les boyaux, on a les lapins pour ça, c'est pas grave. Pas tout boire parce qu'on va prendre ça. Je veux juste que ça finisse. Très bien. J'aurais pas dû prendre la torche. Au final, parce qu'on va pas pouvoir la monter comme d'habitude. Vous savez la connerie. Ah peut-être là, ah peut-être ici oui. On peut passer par... Ah si, on peut passer par là. Yes, yes, parfait. Comme ça, on n'a pas l'animation. Parce que l'animation, elle dure 3 plombes. Et je vois strictement rien, c'est fun. Ah, mais c'est méga loin. Il y a quand même deux steaks qui cuisent, hein. Je veux pas les perdre. Donc si je sens que ça prend trop de temps, on se casse.
toute façon, après, c'est en descente, on a qu'à sprinter, ça va aller vite. Parce que les steaks, ils vont rester, je crois, 30 minutes. À peu près, avant de brûler. Alors après, on pourrait refaire un feu ici. Mais du coup, il nous faut... Bah, il refaut du bois, quoi. Il en faut au moins une vingtaine. Ouais, on pourrait refaire du feu ici, à la limite. Ouais, peut-être. Si je trouve du bois, c'est ça le problème. Il y avait le loup là-bas, on s'en fout. Okay, on va rentrer. Enfin, on va rentrer. On va repartir à notre premier feu. On va essayer de déménager le premier feu. Ok. On va essayer de déménager le premier feu. Donc pour ça, on va prendre plusieurs torches du feu qui nous reste. Comme ça, ça nous fera des brindilles. Et on va essayer de le déménager ici. Parce que ici, il y a quand même 2-3 lapins. Donc on va pas pouvoir les faire, les prendre, de refaire des allers-retours, c'est trop long, c'est pas pratique. Donc, par contre il n'y a pas de brindilles, hein. Vraiment pas de brindilles. Ouais, il y en a au moins 3-4 je dirais. Bon, par contre, ce brouillard est relou. Oh, putain, on était bien parti là. C'est heureux qu'on n'a pas de menace ici. Et on a eu le cerf avant le brouillard. Il y a une petite aide. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois au fur et à mesure que les années passent pour le jeu. Il y a une chose assez simple pour voir un peu plus loin quand il y a du brouillard. Si vous regardez le côté en fait de l'écran, vous allez voir que vous pouvez distinguer des choses qui sont un peu plus loin. Genre par exemple là vous voyez pas l'arbre qui est devant moi. Mais si je me tourne sur le droit, vous regardez, vous voyez qu'à la droite maintenant on voit l'arbre. Alors c'est une petite technique, c'est le moteur du jeu qui est comme ça et tout ça avec les effets. Mais ça peut être utile, ça peut vraiment être utile dans une tempête ou des choses comme ça. Je vais être honnête, ça fait 52 minutes. On a peut-être le temps hein, de... Oh, d'accord. Je voulais pas faire ça. Se refaire un feu là-haut, c'est relou. Peut-être qu'on a le temps. Attendez, 10 minutes. Peut-être qu'on a le temps. Mettre ça là parce que je fais pas confiance. Après refaire un feu là-haut c'est bien parce que on va faire un feu donc ça fait de l'expérience. Donc si je peux prendre ça par exemple. Ça fait froid hein. Faut pas trop exagérer aussi sur les thés parce qu'on n'en a pas énormément non plus au début. Donc on va pas trop les utiliser à fond. On va les utiliser parce que ça nous aide mais il reste encore une heure de feu, eau potable.
très bien. On va prendre, je pense qu'on va prendre des torches du feu. Pour les torches du feu, encore une fois, à chaque fois ça vous fait une brindille. Et ça va baisser la chaleur du feu. Genre là on est à 34 degrés. Si on prend une torche, on passe à 33 degrés. Et on perd 10 minutes à chaque fois. Mais c'est une bonne façon d'avoir plusieurs torches ou alors de récupérer un tout petit peu de brindille. Bon après il faut passer du temps pour les détruire. Donc voilà, là on est à 10 minutes, 30 degrés, très bien. Donc on va faire ça. Merde, pas, non, pas faire ça. On a le thé qui cuit, enfin qui est chaud, très bien, qui est maintenu au chaud. On va faire ça comme ça. C'est en dessous des 10 minutes, maintenant on peut plus, je crois. Très bien. Est-ce qu'on a faim? Un peu. Ok, très bien. Très bien, let's go. Je vais être honnête, je sais pas si c'est suffisant, le nombre de brindilles. Et encore une fois, c'est très très compliqué de voir... de voir pour récupérer du bois. Je vois strictement rien, c'est juste du brouillard devant moi. C'est très très chiant. Mais je voudrais vraiment pouvoir refaire un feu qui soit assez chaud. Comme ça, on est tranquille, on prend les lapins et hop! On les dépasse, on récupère la nourriture et tout ça. Sinon au pire, bah, on les tue, on les prend et on les ramène à la maison et puis on les dépasse à la maison. Là on a quoi? On a fait au moins 7. Je crois qu'il nous reste au moins 7 steaks de cerf. Ah, donc très très bon. Très 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 bon. J'ai envie de faire un feu juste en plein milieu parce qu'il y a des bois à casser en fait. Ouais, on va faire ça. On va faire un feu juste là parce qu'il y a les deux bois. Alors, est-ce que c'est conseillé? Mais alors, pas du tout. Parce qu'il y a un coup de vent, il n'y a plus de feu, quoi. C'est fini, hein. Donc c'est super pas conseillé. Mais bon, dans un sens, quand il y a du brouillard, je dois être honnête, brouillard va minimiser la possibilité d'avoir une tempête. En tout cas, de mon expérience personnelle. Ah, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. On va refaire un... On va remettre ça. On va en mettre 2. Ouais, parce qu'à chaque fois j'en mets 2. Donc tout à l'heure j'aurais dû en mettre 2. Ça va, il est assez chaud. Parce que, ah bah après c'est parce qu'on a le buff encore. Ok, on est bien passé. C'est très bien. On va mettre ça, ça fera de l'eau. Si jamais l'eau elle est pas finie, c'est pas grave. On la déposera. Ok, let's go, lapin. Alors d'abord, caillou. Je suis en train de me lever sur ma chaise en fait. Ouais. Ok, un.
L'autre il est passé là-bas, mais je vois pas. Là, on a un là. Les lapins ont une distance un peu moins élevée par rapport aux cerfs. Parce que les cerfs, ils commencent à courir, en fait. Là, là déjà, le cerf, il sera en train de cavaler. Alors que le lapin, non. Ok, très mal joué. Ok, c'est bon, il revient vers moi. Là, il y a des massettes à prendre. Très bien. Ça fait des bruits maintenant, ça fait piou piou à chaque fois. Mon dieu, c'est triste. J'ai envie de leur mettre une balle à la tête juste pour éviter qu'ils fassent piou piou. Encore deux. Il y a un succès à faire, c'est genre balancer une pierre de 50 mètres, un truc comme ça, et assommer un lapin avec. C'est pas très dur à faire. Oh, lui, le mec, il va dans le... Tu veux pas te brûler, comme ça, tu te cuis directement. Non, non, ça serait dégueulasse. Imaginez brûler un lapin vivant. Non, non, c'est pas... Merde, prends-le. Prends-le. Connasse. Bon. Ouais, je conseille, comme d'habitude. je ne suis pas mes conseils. Rangez les armes. Ok, rangez les armes. Si vous devez interagir avec l'extérieur, rangez les armes. Aïe, 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 aïe. Genre si vous avez des pierres en main, des trucs comme ça, faut ranger ça. C'est un problème à chaque fois. Ok, très bien. Ah ça va, il y a plus de brouillard, enfin un peu moins maintenant. Bien joué. Je sens que lui il va se prendre une balle par contre. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Mais c'est possible qu'il se prenne une balle. Dernière pierre, si jamais je le loupe, il se prend une balle. Ok, range, range. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Hein. Je crois bien que c'était le dernier. Bon ben voilà. Ça nous fait de la nourriture. Enfin, ça nous fait de la nourriture déjà de 1. Ça nous fait augmenter la cuisson. Bon, le feu, pas vraiment, honnêtement. Ça nous fait augmenter quand même la cuisson et ça nous fait augmenter le dépeçage aussi, qui est très bien. Parce qu'après on va pouvoir faire les choses, genre dépecer les carcasses qui sont même gelées ou des trucs comme ça. Donc ça c'est lapin vide. Très bien. Aussi un petit... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais moi je fais par le menu ». Genre pour faire à manger et tout ça. Bon alors moi je joue avant, depuis l'époque où... En fait avant qu'ils rajoutent le système de cuisson manuel et tout ça, avec le menu et tout. Donc j'avais déjà l'habitude d'utiliser les objets, genre de les déplacer comme ça, entre clic droit, clic gauche. De pouvoir les déplacer et de faire ça en fait. Mais je conseille quand même d'être beaucoup plus à l'aise avec la façon avec la façon que je montre là. Je pense que la plupart des joueurs jouent comme ça de toute façon. Parce que ça va extrêmement vite et ça vous fait gagner énormément de temps en fait. Vous pouvez tout voir. En plus vous n'êtes pas bloqué genre dans un menu comme ça par exemple. Genre quand vous choisissez à manger.
Et du coup, vous pouvez voir en fait toutes les minutes de chaque chose. Et vous pouvez toujours regarder autour de vous aussi. Donc c'est important. Je pense d'être libre comme ça, de navigation et tout. Je pense que c'est très très important. Les 3 minutes. Alors, comme ça. Hop. Donc tous les lapins sont vides de nourriture. Quatre lapins vides de nourriture, on a ça à manger. On peut manger. Voilà, c'est très très bien. J'ai envie de dire, est-ce que on boit les thés? Même pas sûr que ce soit vraiment utile. Après on va tracer en fait pour rentrer, donc on va pas vraiment avoir froid. Bien sûr il va falloir s'arrêter pour récupérer tout ce qu'il y a sur le chemin. Très bien. Ça c'est fait. Ça maintenant. Alors fais voir si on n'a pas loupé quelque chose. Alors je sais que là il y a le cerf. S'il y a peut-être un petit kilo de viande, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fait un steak à 800 grammes, 800 calories. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien, donc let's go. Si on a un feu juste là qui est prêt, donc pourquoi pas. Ça fait bien 800, 900, 900 même. 50 minutes, parfait, parfait, vraiment parfait. On va regarder peut-être pour un peu des brindilles, des massettes. Mais on est bon. Ouais, ici il y a une grotte là-haut. C'est pour ça que je regarde plusieurs fois en fait s'il y a un passage, mais non. On avait testé la dernière fois, j'en avais déjà parlé aussi dans un épisode précédent. J'avais essayé de remonter, mais on peut pas remonter. On peut descendre, ça, oui, mais remonter, non, il n'y a pas de prise. Même avec ma façon, qui est un peu scrupuleuse, on va dire. Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Garder le revolver en main, juste au cas où, mais normalement, non. Ouais. Après on a le, on a toujours le cadavre du loup, mais ça nous sert à rien de le récupérer. On avait récupéré la peau, ce qui est le plus important honnêtement. Pour nous, pour maintenant. La viande on s'en fout, pas besoin. Il y a le vent qui se lève, on va aller voir le feu. Alors on a bien fait de mettre l'été. Ouais, il y a le vent qui se lève, le feu il doit être mort je pense. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ah, fait chier. On a encore 10 minutes. On risque rien. Le feu peut pas s'éteindre d'un coup. Quand il va avoir du vent, en fait, ça va complètement le réduire à 10 minutes. Mais la chaleur va pas baisser, rien. Donc on est tranquille encore pendant 10 minutes. Donc je regarde un peu ce qu'il y a à faire. On est bon. Il y a juste la... J'ai cru entendre des bruits. Non. Il y a juste la viande qu'on va devoir se taper sur le ventre, quoi. On prend ça. On prend ça. Très bien, 20 massettes, très très bien. On est à 26 kilos, on est très bas aussi.
De toute façon, ça sert à rien de le garder. Enfin, de le garder sur la pierre. Ah oui, merde. J'aurais pas dû, oui. C'est pas grave. Allez, let's go. J'aurais pas dû manger et boire, en fait, autant. Mais apparemment, elle est fatiguée. Ouais, c'est vrai qu'on a fait que sprinter. Donc c'est un peu normal. Mais on n'est pas lourd, hein. On n'est pas lourd. Hein. 27 kilos, c'est vraiment bien. En plus, nous, on peut porter jusqu'à 35. Donc on est vraiment tranquille. Donc on est large. Et, quand on rentre à la maison, il va falloir faire attention, par contre. S'il n'y a pas des loups qui nous flairent. C'est bon, let's go. On va pas prendre le deuxième thé, ça serait du gâchis. Je pense pas qu'on en ait besoin. On va peut-être avoir froid, mais on sera vraiment proche de la maison. Donc on risque rien. Ouh, j'ai cru que ça bougeait en fait. Vous avez vu le tuyau? Enfin non, c'est des câbles électriques, je crois. Ouais, c'est les trois câbles là. De loin... Ça faisait comme si c'était une sorte de mât qui bougeait. Ça m'a impressionné sur le coup. Oh merde, on a déjà froid. Ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, on doit dormir. Bon, résultat des courses. On va faire le résultat des courses quand on sera à la maison. Tranquille. Comme j'ai dit, quand on rentre dans un bâtiment, faites attention s'il y a des loups. On va sortir là, on va regarder aux alentours. Il n'y a rien qui bouge. On va écouter un peu. Ça a l'air d'être ok. Okay, d'abord on rentre. D'abord on rentre, comme ça on est tranquille. Et après on posera la viande plus tard. Ouf. Voilà, faut qu'on se réchauffe. Ouais, très bien. Alors résultat des courses, honnêtement, le résultat des courses est extrêmement bon. Ouais, hein, on va pas dire le contraire. On va pas dire le contraire, c'est extrêmement bon. On a récupéré un peu des... Bon, on a que ça là qu'il faudrait finir. C'est pas grave. On a récupéré tout ça de viande. On a récupéré tout ça de lapins. 5 lapins. Donc ça veut dire qu'on a des boyaux et tout ça. Et des pots surtout. Les boyaux, il en faut pour crafter les vêtements en pot. Ça c'est un peu débile dans un sens. Mais bon, c'est comme ça que le jeu il veut fonctionner. Donc, voilà. On a utilisé une seule balle pour tuer un lecerf. On a fait que des pierres après. On a récupéré une fourrure de cerf aussi. On va la déposer maintenant. Ah, c'est top. Je vais être honnête, top top. On va faire d'abord les fourrures. Ouais, non, honnêtement, c'est super épisode. Super épisode. On va se mettre là. Parce qu'en plus, c'est ça qui est bien avec les lapins au début. On va les superposer, les poses, pas grave. De toute façon, on voit rien. Ce qui est vraiment bien avec les lapins, surtout au début, comme je disais, c'est qu'à chaque fois, vous allez pouvoir les recycler, donc les dépecer et tout ça, mais à l'intérieur, vu que c'est des lapins, on les transporte, quoi. Et du coup, ça va vous augmenter. Et c'est très simple, vous êtes à l'abri, vous n'avez pas besoin de le faire sur un cadavre, genre de serre à l'extérieur et tout. Donc honnêtement, c'est vraiment une belle, belle sortie là, ce qu'on vient de faire. Entre la nourriture, les peaux et l'expérience qu'on gagne,
Bien joué. Bien, bien, bien joué. On a encore un peu de viande là. Il est très bien. Est-ce qu'on est chaud? Ouais. Attendez, on va d'abord. Parce que j'ai vu qu'il y avait un lapin avec de la peau. On va prendre ça, on va mettre tout dehors. Donc là, on est encore bon pour. Encore une ou deux. Un ou deux jours. Je pense. Avec toute la viande qu'il y a. On va se baisser. Toujours se baisser quand vous sortez des bâtiments. Toujours, toujours. Ok, donc ça c'est cuit. Donc. Cru, cru, sans. Okay. Là on va mettre. Très bien. Mais après, comme j'ai dit, je pense qu'on a fini ici. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire. Alors, ma question, c'est par où on va repartir? Il va falloir faire un tri hein, de ce qu'on prend, parce qu'on a quand même beaucoup de... Oui, on a quand même beaucoup d'objets. On a quand même beaucoup de choses à prendre. On va sûrement être assez lourd. Et je crois, peu importe le chemin qu'on prend... Pour partir de Milton, il faut quand même prendre des cordes. Si je dis pas de conneries. Dans n'importe quel sens. Faut toujours prendre des cordes. Donc ça veut dire qu'on peut pas dépasser les 35 kilos. Je pense qu'on va prendre le chemin par lequel on est venu. Parce que c'est le plus safe dans un sens. C'est le plus simple. C'est le plus rapide aussi. Parce qu'on arrivera directement à la... merde, au lac mystère, voilà, je cherchais le mot. Au lac mystère, donc je pense que c'est le mieux. Pour le moment, on est encore en mode survie, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment les bons vêtements, on n'a pas. On peut pas rester à l'extérieur, ok? On est toujours le même problème, encore une fois, je l'ai déjà dit. On va prendre une autre balle, parce que je vais en avoir 20 sur moi. Comme j'ai dit, on est toujours en mode. Putain, on a beaucoup de jerrycan, vache. On est toujours en mode survie. Mais il va falloir faire un tri parce qu'on a beaucoup de choses. Alors après, Milton, on va y revenir. On va complètement y revenir parce que... Parce qu'on va pas pouvoir tout prendre, regardez tout ce qu'on a. Je pensais pas qu'on en avait autant, mais ouais. Genre là, tout ça, là, on peut pas le prendre, c'est trop lourd. Les souches et tout ça, c'est 75. On va pas les prendre. Les jerrycans, on va en prendre seulement, je pense, un. Je pense... Le marteau, je sais pas si on le prend. Il va falloir que je réfléchisse. Ça, je réfléchirai après l'épisode. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut, il faut réfléchir, en fait. Genre, je suis même là à me dire... Peut-être que je vais même pas prendre le fusil. Parce que c'est 4 kilos. Tiens, j'avais oublié ça. 4 kilos, c'est quand même beaucoup... Oh mon dieu, on a une aurore boréale. Oh, maintenant, tu mets une aurore boréale alors qu'elle est fatiguée? Non. Tu déconnes. Tu déconnes, mère nature. Oh, je te déteste, mère nature. Ok, alors attends. On va mettre un peu de musique. Voilà. Alors, aurore boréale. Allez, ça va. On va manger ça. Donc, vêtements. On avait déjà quasiment tout fait la dernière fois, honnêtement. Mais on va en profiter. Pas là, bah voilà. Je crois que c'est déjà fini.
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, ça va, ça passe. Et dehors, ça se passe comment, là? Fais voir un peu. Parce que là, j'ai l'impression que l'aurore boréale est finie, là. Non, elle est juste pas très puissante, en fait. On est sur la fin. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il y a des trucs à prendre, à regarder. Je crois que c'est là. C'est où la poste ou la banque? Il y a des ordinateurs à vérifier. Je voudrais bien les voir, les prendre. Ouais, c'est là. Alors. Nouvelle mémoire temporelle. Je crois qu'il y en a d'autres encore. Higgins n'était pas à son poste ce matin. Étrange, c'est bien la première fois que ça arrive. Je crois qu'il y en a d'autres. Je crois. Je suis pas sûr. Je sais pas où. On va rentrer. Je sais pas où. De toute façon, après... Je crois que les aurores boréales, c'est pas vraiment ce qui va manquer. C'est juste que là, on n'a pas trop eu de chance, on va dire. Ah, très bien. Donc, ouais, on va... qu'est-ce qu'on a d'autres choses à coudre? Non, on n'a pas d'autres choses à coudre. Oh, un truc qu'on peut faire, c'est ça. Dessiner. On peut dessiner le plan. Allez. Voilà. Ah, vous voyez, c'est bien. Hein. Là, la mission, en fait, quand il y a des aurores boréales comme ça, si on doit pas, si on n'était pas occupé, parce que là, on est occupé, en fait. Mais ça serait d'aller sur les montagnes et tout ça, et de tout cartographier. Alors ça... Ça, on va faire les moufles avec la peau des lapins, donc c'est pas grave. 30 minutes. Mais après, le reste, en fait, c'est en bonne qualité, hein, c'est pas très grave. Une heure, fais chier. J'ai envie de le faire 15 minutes comme ça, c'est pas long et ça nous fait de l'expérience pour la couture. Et celui-là. Ah, très bien. Et le kit de couture est mort. C'est parfait. Parfait, parfait. Il y a un peu de vent qui se lève. On va voir un peu. Yes, très très bon, très très bon. Alors carcasse, on est bientôt niveau 3. Cuisine, on est bientôt niveau 3. Raccommodage aussi, on a un peu monté. Révolver. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça, c'est top de top. Top de chez top. Et ça, c'est séché. La peau de lapin. Après, ah oui, un truc qu'on pourrait faire aussi... Attends, il y a combien dedans? 0,38. Ce qu'on pourrait faire, c'est... passer un peu de temps. Je sais pas combien de temps il faut. Alors, le cerf, c'est combien? C'est 5 jours. Le lapin, je sais plus combien de temps c'est. Jours. Les boyaux, c'est combien? C'est 5.
plus simple. On n'a pas vraiment posé les choses en même temps, donc ça va être un peu compliqué que ça soit sec en même temps. Mais à la limite, je dirais qu'on peut peut-être rester dans Milton le temps que tout sèche. Et après, construire les trucs ici. Et après, partir. Avec les équipements déjà, déjà équipés, quoi. Avec les moufles et le chapka. Et vous avez vu, il y a un lag, ça aussi, depuis une certaine mise à jour. Vous avez vu? Là, je clique. Tac. Vous avez vu, ça met du temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que je pense que... Ah, quoique, en fait non, je pense avoir compris. C'est parce que nous on est toujours... On est bloqué au jour 1 parce que on est que de la nuit en fait. Donc les journées n'avancent pas. Et je crois que ça charge tout ça en fait. Ça charge tous les lieux découverts par journée. Et là du coup ça doit charger tout en une fois à chaque fois. Donc je pense que ça va être de pire en pire. je crois que ça va être de pire en pire ce petit lag qu'on a là. Au fur et à mesure qu'on débloque des, qu'on découvre des lieux, ça va être une catastrophe. C'est pas grave. On est bon, on va dormir. On va dormir. Bon bah voilà, ce sera la fin de notre petit épisode. On va reprendre un petit coup de viande. Que dire? On peut rester encore long. Le problème, c'est que je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller, quoi découvrir. Là, on a tout fait à Milton, qui est intéressant. Après, comme j'ai dit, on a un revolver et fusil. À la limite, on pourrait... on a le lit. On pourrait peut-être aller, encore une fois, faire un peu comme cet épisode-là. C'est chasser. Mais chasser quoi? Ma question, c'est chasser quoi? Les loups, ça sert à rien. Quoique non, si, ça sert à quelque chose. On prend la peau. Mais après, la peau, il va falloir... Parce qu'on va pas rester, en fait. Parce que pour crafter la peau de loup, enfin, un vêtement en loup, je crois qu'il faut un... Genre, ça, on le fait avec kit de couture, il n'y a pas de problème. C'est kit de couture ou matériel de pêche. Ça, c'est pareil, donc on peut le faire. Par contre, les manteaux... Voilà, les manteaux, il faut des outils qu'on n'a pas. Donc prendre des peaux de loup maintenant, ça sert strictement à rien. Ça sera utile plus tard quand on aura les outils, mais pas maintenant. Et si on doit partir avec, alors là, bienvenue, quoi, parce que c'est 0,50 ou 1 kg, quoi, la peau. Donc je sais pas trop quoi faire. Mais en tout cas, je vais réfléchir. On va dormir, on va se dire au revoir. On va voir ce qu'on prend. Comme j'ai dit, ou alors on reste encore un petit peu ici. Et on va chasser. Enfin, à la limite, ouais, on peut peut-être aller tuer des loups, des trucs comme ça. Si ça se passe bien. Ouais, peut-être qu'on fera ça, ouais. Je retourne Milton, on tue les loups. Ça nous fera de l'expérience. Et ça nous fera des peaux, mais pour plus tard. Et potentiellement de la viande aussi, mais pour encore une fois plus tard. On va pas la manger. Enfin voilà, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous plaira. Et merci encore une fois infiniment de suivre cette série. Et on a fait une tuerie de lapin et de Bambi aujourd'hui. C'était cool. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.